Salut les amis co-créa. Alors j'aurais fait une petite vidéo là, vite fait entre deux coups de peinture sur le lâcher prise parce que c'est ce que je vis depuis un moment et c'est complètement ouf. Le lâcher prise, ça c'est un truc de ouf. Et là ce matin j'ai eu des discussions avec des copines co-créa et je m'aperçois qu'en fait effet miroir avec les gens qu'on rencontre, avec qui on a plus de complicité sur le moment. Et qui ont elles aussi besoin de lâcher prise. Et franchement, les filles, je voudrais vous dire un truc. C'est que depuis mon aventure avec les dents, où j'ai été quelque part un peu au bout, au bout, au bout, qui m'a permis de tout lâcher. C'est-à-dire que je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus et physique et mental et de tout. Et donc, j'ai lâché. Et en fait, depuis, je ne fais que lâcher. C'est un truc de ouf. Par exemple, hier soir, j'ai regardé mes comptes, vu que je suis dans la peinture et que je suis pas très riche, je voulais voir un petit peu ce que je pouvais faire. Et je me suis aperçu que le chèque de 1000 euros que je m'étais fait il y a quelques mois de ça, a été débité, mais n'est pas apparu sur mon compte. Et ce qui fait que du coup, je me demande vraiment ce qu'ils sont devenus ces 1000 euros. Alors, évidemment, sur le coup, ça m'a fait, tiens, bizarre. Mais en même temps, bah, j'ai confiance, donc je m'en fous. L'inquiétude, ça sert à rien du tout, et je crois que ça y est, maintenant, ça se fait naturellement chez moi, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que je vais laisser, voilà, cet après-midi, je vais aller à la banque, je vais quand même essayer de voir ce qu'il en est, mais surtout, je crois que je suis nettoyée de la peur, et Dieu sait si j'en avais, que j'ai travaillé ça ces dernières années, hein. Donc les filles, c'est pour vous dire, le lâcher prise, c'est ne plus permettre à la peur d'entrer en soi et de faire confiance à l'univers. Parce que finalement, quand on bloque la peur, c'est-à-dire qu'on lui dit non, ma petite chérie, c'est terminé, tu ne passeras plus par moi, eh bien, ça permet à l'univers de nous envoyer toutes les informations possibles sur ce qu'il y a à faire et sur ce qui va être. Et c'est génial parce que c'est une relation d'amour et de joie et de jeu avec ce qu'on ne connaît pas. Et en plus, ça intensifie mes puissances mille. L'amour qu'on reçoit des guides, des anges, etc., on peut les appeler comme on veut. Moi, j'arrive même plus à mettre de nom. Maintenant, je sais que c'est là tout le temps. C'est génial! Donc, courage, les copines. Et puis, surtout, ne laissez pas rentrer à la peur en vous. Vous pouvez voir, la voir, l'inquiétude, parce que voilà, hein, il y a des stades, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien n'est grave. D'ailleurs, je vais vous dire. Acceptez que vous pourriez mourir du jour au lendemain, dans la minute même, et là vous verrez que tout deviendra beaucoup plus facile. Allez, salut! Bye bye et bon courage! Et bon courage!